Salut à tous, une vidéo qui sera liée à la série Projet Fou de logiciel libre et vous aurez d'ailleurs dans le descriptif un lien vers un article de blog. Comme vous avez pu le voir, on va parler un peu jeu. Et oui, il y a des projets fous dans les jeux. Et dans c'est un projet très fou et très ancien parce qu'il date de 2003 dont je vais vous parler et qui s'appelle Supertux. Supertux, c'est un peu le clone de Super Mario, mais en version Linuxienne. On remplace Mario par notre ami Tux. Et le voilà à se promener sur la banquise pour sauver son ami qui a été kidnappé. Donc le site officiel, voilà, c'est le site officiel de Supertux. En ce moment, ils en sont à ce qu'ils appellent la Milestone 2, l'étape 2, qui correspond à la version 0.5 du jeu. Ou 0.5.1 qui est sorti en 2016 de mémoire. Je vérifierai les dates. Ouais, voilà, vous voyez. C'est simple. Penny a été capturée. Et il faut la sortir des griffes de celui qui l'a enlevé. Je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Ça doit être précisé. Nolok. Voilà. Donc il faut aller jusqu'à la forteresse de Nolok. Et je vous allez voir, ce jeu que je propose en version Git sur pour AUR est quand même assez costaud. Vous allez voir ça. Donc là, crac crac, je Supertux 2. Bon, c'est la version de développement, comme vous pouvez le constater. Dans les options, donc là, activer transition, oui. Il n'y a pas mal d'options, on est presque dans KDE. Les extensions. Alors, il y a l'éditeur de niveau, si vous voulez créer vos propres niveaux. Mais ça, je vais vous montrer le jeu officiel. Je ne vais pas tout vous montrer parce que là, je vais se découvrir ensuite. Oh la vache! Plein écran, résolution automatique, configuration du clavier. Donc, au bas, gauche, droite, sauter, c'est espace, contrôle gauche, action. Ok, d'accord. On peut avoir plusieurs profils. Donc c'est un jeu multijoueur en quelque sorte. Donc, je vais prendre mon histoire. Ça, c'est pas bien grave, je vais mettre comme ça, voilà, continuer. Et là, c'est l'introduction du jeu. Et voilà Nolok qui arrive. Voilà Nolok qui arrive, et notre ami Tux est malheureusement assommé. Et il faut qu'il aille récupérer Penny. Enfin, sauver Penny. Et donc là, vous avez une carte pour chaque niveau. Donc je vais essayer d'aller le plus loin possible sans être trop long. Bon, c'est normal qu'il y ait des messages en anglais parce que c'est une version de développement. Non, non, c'est en français les messages. Voilà, bon débarras. Vous voyez, il y a des pièges style avec des pics. Ah, enfin.
Je vais essayer quand même de récupérer les pièces. Et zut. Je ne sais pas si je pourrais récupérer toutes les pièces. Bon, mais tant pis. Hein. Et voyez, un choc, et boum, on perd la protection. Et zut, j'ai perdu ma protection une nouvelle fois. Et voilà. Donc on recommence. Vous voyez, le jeu n'est pas super évident. C'est vrai que ce serait plus jouable à la manette, mais comme je n'ai pas de manette branchée... Donc je vais essayer quand même de conserver le pouvoir que j'ai gagné. Donc sinon c'est contrôle. Boum! Et voilà. Vous voyez, c'est quand même un jeu assez marrant. À chaque fois qu'on arrive ici, on a un point de sauvegarde. Attention aux trucs qui peuvent tomber. Il faut savoir doser son coup. Les ennemis sont assez bêtes pour se suicider. Hein. On va en profiter. Alors là, voilà. Par contre, ça, c'est des sacrées pestes. Si les ennemis avaient des casques, ça vous. En un seul coup, ça vous. Et bien sûr, suivez la flèche. Et là, on est arrivé à la fin du niveau. Donc j'essaie de faire un ou deux niveaux sans mourir trop régulièrement. Je promets rien. Mais il y a le soleil, ils sont pas faits là. Allez, dodo. Méchant, méchant le casque. Ah oui, l'étoile, ça donne de la vulnérabilité. Autant profiter, hein. Hop, ça masse. Et on sauvegarde au passage. Là, je m'en suis trop bien tiré. Hop ça. Thank you.
bien sûr, j'aurais plus qu'à répéter les pièces, mais... Et voilà. Parfois, il faut sauter au quart de poil de cul de chameau près. Donc, s'il pouvait m'offrir un tir, ce serait bien. Hop ça. Bien sûr. Voilà. Donc là, ne pas tomber. Ouf. Et là, faire gaffe de pas tomber. Hop là. Non, c'est pas une pièce que je voulais, moi. Ce qui m'intéressait, c'était une arme. Il va me donner deux fleurs et l'enfoiré. Non. Une fleur et puis quoi encore? Ouf. Vous voyez quand même, c'est pas super évident hein, comme jeu. Donc je vais arrêter avec... Et après là, vous voyez, on arrive à un croisement où on peut changer de niveau. Mais j'avoue que c'est une partie où je vais le plus loin possible. Boum! Allez, au revoir. Bon, mais vous savez quoi? J'arrête ici. Voilà, j'espère que cette courte vidéo sur notre ami SuperTux vous aura plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !